Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après une grâce, vient une action de grâce. C'est le premier enseignement de cet évangile. Notre Seigneur guérit la fièvre de la belle-mère de Pierre. Et la réponse est immédiate. L'évangile nous dit, à l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Elle est consciente d'avoir reçu une grâce. Et elle répond par une action de grâce. Immédiatement, à l'instant même, elle se leva et elle les servait. Chers frères et sœurs, notre relation avec Dieu est basée sur la gratitude. Nous avons les yeux pour voir les besoins des autres. Quand notre relation avec Dieu est basée sur la gratitude, nous sommes conscients du bien que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes conscients que nous devons une réponse, pas à la hauteur de ce que nous avons reçu, parce que ce que nous recevons de Dieu est plus que ce que nous pouvons lui donner. Mais nous sommes conscients que nous lui devons une réponse. La gratitude, c'est une réponse des devoirs. C'est un devoir de l'homme, c'est une obligation pour l'homme de rendre grâce au Eucharistie, rendre grâce à Dieu. C'est une réponse de l'homme de rentrer vers celui-là qui est son origine, sa source. C'est un devoir de l'homme, pas une option, c'est un devoir de savoir dire merci, d'être reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà reçu de Dieu. Après une grâce, vient une action de grâce. Quelle belle leçon de vie! Quelle grande leçon nous donne cette dame! À l'instant même, elle se leva et elle les servait. Elle servait Jésus, celui-là qui a fait le miracle. Elle se met à servir celui-là qui est l'auteur de sa guérison. Mais elle sert aussi les autres. L'évangile ne dit pas, elle le servait, elle les servait. Il y a des détails dans les évangiles que de temps en temps nous devons mettre l'accent. Elle les servait, elle servait Jésus et ceux qui l'accompagnaient. Et nous, quand nous recevons une grâce,
nous devons nous tourner vers celui-là qui a fait le don de cette grâce, notre Seigneur. Nous devons retourner, lui dire merci, pas seulement avec des paroles, pas des paroles de courtoisie, merci, hein. Nous devons rendre grâce à Dieu avec des œuvres de gratitude, des œuvres, le service, c'est une œuvre. Nous devons rendre grâce à Dieu par nos paroles, mais aussi par nos actes, par des œuvres de gratitude. Nous devons servir le Seigneur. Il mérite, il a le droit d'être servi par nous. Nous devons, comme la Sainte Vierge l'a dit, reconnaître que nous sommes des esclaves, des servants du Seigneur. Après une grâce, vient une action de grâce. Immédiatement une action de grâce au Seigneur. Je me mets au service du Seigneur. Seigneur, j'ai reçu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est la question que nous devons nous poser. J'ai tant reçu du Seigneur. Et demandons-lui, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire en retour pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Pas pour payer ce que j'ai reçu, mais un cœur plein de gratitude, un cœur plein de reconnaissance sait qu'il a une dette envers le Seigneur. Mais se mettre aussi au service des autres, cette femme les servait, se mettre au service du Seigneur, mais aussi se mettre au service du prochain. Un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude à des yeux qui voit les besoins des autres. Mets-toi au service du prochain. Le Seigneur t'a donné des yeux pour voir les besoins des autres. Le Seigneur t'a donné des yeux pour voir que celui qui est à côté de toi a besoin d'un sourire, des paroles de consolation, et même que tu mettes la main dans ta poche et que tu lui viennes au secours. La gratitude s'exprime aussi par le service du prochain. Si nous disons seulement merci à celui qui nous a donné et n'exprimons pas notre gratitude envers Dieu à travers nos prochains, nous ne pouvons pas aimer le Dieu que nous ne voyons pas. Si nous n'aimons pas nos frères que nous voyons, nous dit Saint Jean. Comment nous voulons aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous ne nous mettons pas au service du prochain? Après une grâce vient une action de grâce. Une action de grâce dirigée d'abord à celui-là qui nous a concédé ses grâces, ses bénédictions. Une action de grâce qui s'exprime aussi à travers le service du prochain. La gratitude est un droit de Dieu. La gratitude est un devoir pour l'homme. C'est la réponse de l'homme pour l'amour qu'il a déjà reçu. Et je répète, une réponse qui ne vient pas payer cet amour, mais un cœur brûlant d'amour sait dire merci. Un cœur brûlant d'amour reconnaît que ce qu'il a déjà reçu mérite une reconnaissance par des mots, mais aussi une reconnaissance par des œuvres, les œuvres de gratitude. Mettons-nous au service de Dieu, mettons-nous au service de notre prochain, par gratitude, par reconnaissance pour ce que nous avons déjà reçu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.